commence à y avoir minuit. À y avoir du calme. De tous côtés. Dans les appartements superposés. Différents étages de l'accumulation de la vie. On a fait taire le piano au troisième étage. Je n'entends plus de pas au deuxième étage. Au rez-de-chaussée, la radio silencieuse. Tout va dormir. On reste seul avec l'univers tout entier. Je ne veux même pas aller à la fenêtre. Si je regarde, que d'étoiles. Quel grand silence majeur il se fait là-haut. Quel ciel en dissitada. Plutôt recluse. Dans le désir de n'être pas recluse, j'écoute anxieusement les bruits venant de la rue. Moi seule, je veille, écoutant dans ma somnolence. Attendant quelque chose avant de m'endormir. Quelque chose. L'homme se roule à la vie avec toutes ses complexités et s'endort là. Nous n'aimons pas vraiment la liberté si nous n'avons pas connu la contrainte. J'entends passer le vent. Et rien que pour entendre passer le vent, je trouve que ça vaut la peine d'être né. Quelle tragédie de ne pas croire à la perfectibilité humaine. Mais quelle tragédie d'y croire. Certaines âmes peuvent éprouver une douleur extrême parce que le paysage peint sur l'éventail chinois n'a que deux dimensions. Vivre, c'est faire du crochet avec les intentions des autres. Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je peux vouloir être rien. Mais par ça, j'ai en moi tous les rêves du monde. Rien ne peut naître grand qui ne soit maudit. Nous n'aimons jamais vraiment quelqu'un. Nous aimons seulement l'idée que nous nous faisons de ce quelqu'un. La paix qu'elle semble avoir pour notre douleur. Le tumulte joyeux pour notre tristesse. L'absence de monotonie pour notre cœur exténué. Les places, nettement carrées et grandes. Oh, les rues, avec leurs maisons qui se rapprochent tout au long. Et les rues transversales, révélant de nouveaux intérêts. Et au milieu de tout ça, une espèce de chose qui déborde et n'inonde jamais. Le mouvement, rapide, chose humaine et colorée, qui passe et demeure. Thank you.
suis dans un tram. Et j'observe lentement, à mon habitude, tous les détails concrets des personnes qui se trouvent devant moi. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui se soit fait casser la gueule. Tous les gens que je connais qui parlent avec moi ont toujours été champions en tout. Et moi, si souvent ignoble, si souvent abjecte, si souvent vile, moi si souvent parasite, si souvent sale, sans la moindre excuse, moi qui si souvent n'ai pas eu la patience de prendre un bain, moi qui étais ridicule, absurde. Moi qui me suis prise publiquement les pieds dans les étiquettes des tapis. Moi qui ai été grotesque, mesquine, soumise et arrogante. Moi qui ai commis des infamies financières, empruntées sans jamais rembourser. Moi qui ai connu l'angoisse des petites choses ridicules. Je me rends compte que je n'ai pas sur ce point de semblable dans le monde. Tous les gens que je connais et qui parlent avec moi ont toujours été champions en tout. Ils n'ont jamais commis d'avanie. Ils n'ont toujours été dans la vie que des princes. Que des princes. Où sont-ils ici? Mais que ne donnerait-il pour entendre de quelqu'un la voix humaine qui me confesserait, non pas un péché, mais une petite ignominie? Il me raconterait non pas une violence, mais une petite couardise. Non? Ils sont tous l'idéal à les entendre quand ils me parlent. Quel est celui dans ce monde étendu qui me confesserait qu'il a été vil? Ne fût-ce qu'une fois? Hé, prince! Mes frères! Mais merde, mais j'en ai marre des demi-dieux. Anatole France, Épicure de pharmacopée homéopathique, Jaurès Ténia de l'Ancien Régime, Salade Renan Flaubert, servi dans de la vaisselle imitation 17e. Dehors, Maurice Barrès, féministe de l'action, Chateaubriand au mur décrépit, entremetteur de patronage sur les planches de la patrie, moisissure de la Lorraine, fripier des morts de tous les autres, et tu as le toupet de t'habiller dans ta propre boutique. Dehors, bourgeois des âmes, loupiote des noms à particules, psychologue des armoiries de pierre tombale, snob plébéien et pitoyable, qui souligne la règle des commandements de l'Église. Dehors! Annuncio Rapagnetta! Platitude en caractère grec! Don Juan Patmos! Et toi, Méterlinck! Four du mystère éteint! Et toi, Lati! Courbouillon de son mur froid! Et toi, enfin, Rostan, ta-ta-ta-ta-ta-ta! Dehors, dehors, dehors! Et si j'en oublie, chercher les biens sous les meubles! Tout le monde dehors, hors de ma vue! Tout le monde dehors, ultimatum à tous et à tous ceux qui leur ressemblent! Et s'ils ne veulent pas les guerpir, qu'ils restent! En fait,
meilleure façon de voyager, c'est sentir. Sentir de toutes les manières. Sentir tout excessivement. Parce que toutes les choses sont en réalité excessives. Que la réalité est un excès, une violence, une hallucination extraordinairement nette que nous vivons tous en commun. Plus je ressentirai, comme plusieurs personnes. Et ce jour-là, la pulsion même de la vie participait à cette autre pulsion heureuse qui fait que le soleil se lève à heure prévue par l'almanach selon la longitude et latitude des divers lieux de la Terre. Je me suis senti heureux, simplement parce qu'il m'était impossible de me sentir malheureux. J'ai descendu la rue, tout tranquillement, rempli de certitude, car enfin, le bureau bien connu et les gens connus que j'allais rencontrer étaient autant de certitudes. Rien d'étonnant que je me sente libre sans savoir de quoi. Dans les corbeilles posées au bord des trottoirs de la rue, les bananes à vendre sous le soleil étaient d'un jaune éclatant. Mais le jour viendra où je ne verrai plus rien de tout cela. Me survivront les bananes au bord des trottoirs, la voix des marchandes finaudes et les petits journaux que le petit vendeur a tendu côte à côte sur le trottoir d'en face au coin de la rue. Je sais bien que ce seront d'autres bananes, d'autres marchandes, et que les journaux, quand on se penchera sur eux pour les regarder, porteront d'autres dates que celle d'aujourd'hui. Les gens qui achètent des choses inutiles sont en fait plus sages qu'ils ne le croient. Ils achètent leurs rêves en plus petits. Ce sont des enfants dans leur désir d'acquérir. Et tous ces objets qui leur font signe, ayant deviné qu'ils ont de l'argent pour les acquérir, ils en prennent possession avec le même plaisir qu'un enfant ramassant des coquillages sur la plage. Oh, mes seigneurs! Oh, mes seigneurs! Oh, prendre toujours glorieusement la part de la soumission dans les événements sanglants et les sensualités dilatées. Abattez-vous sur moi comme lourde muraille, ô barbare de la mer antique. Déchirez-moi et blessez-moi de l'est à l'ouest de mon corps, zébré de sang toutes mes chairs. Donnez le baiser des haches, des fouets, de la rage. Ma joyeuse terreur charnelle vous appartient. À mon désir masochiste de me livrer à votre furie. Ouvrez-moi toutes les portes. Bien évidemment que je passerai. Allez, ouste, dégagez, politiciens, lettrés, commerçants paisibles, policiers, filles de joie sous tonnerre. Je peux être tout ou n'être rien. Ou être quelque chose selon ce qui me passe par la caboche. Ça n'est l'affaire de personne. Folie furieuse, envie de sauter, de couiner, de rugir, de braire, d'enchaîner bon cabriole, crier avec tout mon corps, de me cramponner aux roues des véhicules, de me jeter dessous, d'être la chienne de tous les chiens. Et tous les chiens, ce n'est pas assez. D'être l'abandonnée, la consumée, la transbordée.
portes. Faites passer la maison tout entière par-dessus moi. Je veux vivre. Je veux avoir des gestes en dehors de mon corps. Je me sens matière morte, couchée sous la pluie, pleurée par le vent. Et le froid de ce que je ne sentirai plus étreint mon cœur d'à présent. Je sens la mort comme une peur en moi, une araignée hideuse et horriblement au centre de la vie, tissant